Une victoire, c'est bien, mais une victoire à la maison, c'est encore mieux. Les joueurs de basketball de l'équipe collégiale de Sainte-Foy à Québec ont remporté les grands honneurs lors du championnat qui se déroulait chez eux pour une première fois en 30 ans quand même. Mélissa Paquette. Les dynamiques du cégep de Sainte-Foy ont triomphé cet après-midi en finale provinciale collégiale. J'en suis sans mots, là, c'est vraiment un bel événement, puis un bel événement, puis en plus de vivre ça à la maison, c'est fantastique. Ambiance, yeah! Tension et émotion étaient réunies. Ça fait 33 ans qu'on n'a pas eu ce championnat ici, et là on vient de la décrocher, on a fait l'histoire ici. On a fait l'histoire à Sainte-Foy, mais let's go! On voulait gagner déjà depuis 3 ans, puis à chaque fois on se rendait loin, mais on n'a jamais gagné, puis là c'est la première fois qu'on gagne, puis on est content. C'est sans aucun doute la discipline et l'éthique de l'équipe qui les a menés à cette victoire. On a travaillé tous les jours, même les samedis, même les dimanches. On a perdu les régionaux. Le lendemain midi, tout le monde était dans le gym, sans exception. Le basket, c'est une histoire de famille. On n'est pas là pour rien. Les gars, ils ont mis tellement de temps. Et c'est un processus qui s'est donné en 4 ans. Ça vient de comment les gars sont capables de se mettre ensemble, le respect qu'ils ont pour eux, pour chacun d'eux. Puis c'est ça le résultat maintenant. Un exploit majeur qui accentue la popularité du basketball à Québec. Pour la communauté de Québec, c'est vraiment un moment marquant de l'histoire. On a eu le Rouge et Or, maintenant c'est à notre tour, donc c'est vraiment exceptionnel pour nous aujourd'hui. C'est super pour la culture du basket à Québec. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au basket. Mais il y a moins de jeunes qui sont... Il n'y a pas autant de visibilité. Plus de 500 personnes étaient réunies au cégep de Sainte-Foy pour cette finale de championnat provincial plus qu'enlevante, remportée par les Dynamiques. Shout-out to Léo! Shout-out to Enzo! Yeah! Une équipe incroyable! C'est fantastique! Ils ont mis tout leur cœur, toutes leurs hommes, assurant le sang toute l'année. Ils peuvent être fiers d'eux. Ils ont assuré, ils ont ramené le championnat ici, à Québec! L'Université Laval, le championnat canadien, et c'est une fois qu'il y a eu le championnat provincial. Bravo, Québec! Mélissa Paquette, TVA Nouvelles, Québec.